nous allons commencer ce petit tour d'atelier par une demi-heure sur la présentation URSA. Ça va, merci. You can help me, I need to get these tables on stage. Yeah, we need to get these tables on stage. Sorry, I don't know what's okay. Can we find my mic then? Voilà, donc on commence par une présentation de multiples accessoires pour l'installation des micros HF et nous enchaînerons par un atelier qui fera un tour d'horizon et aussi un tour de détail des liaisons HF numériques. Hier, vous avez eu droit à une présentation de Sennheiser donc côté fabricant et ce matin, ce sera côté utilisateur. Avec Xavier Dreyfus qui vient d'arriver. Alors, comme c'est une démonstration un peu interactive, on voulait demander à ceux qui sont intéressés si vous voulez vous rapprocher en fait, pour voir, parce que son micro lui va pouvoir être envoyé dans les enceintes, mais l'électronique va faire un peu pas la avant de la scène. So, I think we're just going to get straight into this because we've got half an hour. But I'll just do a quick introduction so you understand sort of. Or can we keep the lights up, actually? Because we'd like to be able to see what's happening here. Laura and I, we founded a company called URSA about 4 years ago. So we both work in the film and TV industry. I work as a sound recorder and a film operator. And Laura works as a costume designer. Basically, we decided after experiencing many problems on set with hiding transmitters and getting good results from radio microphones that we wanted to, with our combined experience in sound and with Laura in costume, we thought we might be able to come up with some ideas to help make our lives a little bit easier. For hiding these things and getting good results with body-worn hidden microphones. And so that's where sort of the company began with scraps. And we can demonstrate some of those to you today. We have a variety of different straps that the company sort of began by making. These thigh straps, which are designed to be very low profile and designed to go around the thigh like this and hide the transmitter. So really, we began the company thinking about how to hide transmitter packs. And the other one we're wearing is actually what I'm wearing at the minute, this waist strap, which has got the audio A10 that's feeding, if you don't mind me showing you my tummy, there you go, it's feeding a microphone hidden here. So we started off by working on straps, and then gradually we started working more on the mic end, trying to make it easier to hide and reduce the scratchy sound from microphones. And what we've got is a variety of clothes here today. We've got some shirts, and things like this can be the night. Just a shirt like this can be the nightmare for a sound man.
you see someone coming onto set and they've got a really cool shirt. So we were just like, what can we do to try to make products that might help sound recorders get better results with starchy, silky shirts, nasty, silky ties, scratchy school ties, and just a traditional white shirt like this. And Jean Matisse from BBB is wearing one of these shirts right here. So what we can do is, part of this demonstration will be more like an interactive demonstration, where we're going to wire up Jean, and he's got a lovely hairy chest for us today, so that will help, I think. And that will help show some ways that you can maybe improve the sound with trying to reduce the sound scratchiness. And so, should I speak more slowly? I think I might be rushing my French. Do you understand me okay? All right. So, I'm interested from your point of view, what would be most useful for you in the audience today to talk about and discuss? Is there any particular problem that would be useful to go into? We're talking about ties or wind protection, mounts. Is there anything particular that stands out? Or shall we just get stuck into a whole white shirt? Is that a good starting point? So, Laura, do you want to just describe my partner Laura works in costume, and Laura's kind of collected some of these costumes together. So from your point of view, how was this sort of... Well, the shirts like this, for example, I did a job a couple of years ago, which was 1930s, so every single cast member was wearing a shirt like this, and they had limited access to the set. So it meant that costume and sound had to work together in such a way that the actor was dressed and they could go to set and there was no interaction happening with the actor again after they were on set. And that was a particular requirement of the director. So it meant that when the actors were mic'd, no one could touch them, so including the sound guys for the costume and the sound. And it just means that you have to get it right at the beginning of the day. It can be very testing, but some scenarios are like that, and that will be a director requirement. So on a shirt like this, you have 12 principal actors who are all wearing this. So you have to work out a way of making it work this happens through for everybody. Yeah. So this is why I brought this one with me, because we found that this can be a problem very often for sound and for costume. Yeah, that's right. So it's about really what we try to do. We've done a few events with a bit more time in the past, and it's been about, like, wouldn't it be nice if there was a bit more time on set to look at a microphone, try and improve it, but often there's no chance to really go back and tweak again. You just kind of got to get it right first time with maybe one opportunity to change it. So we hope maybe this event could help at least a little bit in listening and adjusting and improving without the pressure of the first AD saying you have to shoot. So one thing that is good though is that if you can talk to a costume team that you're working with on any job and try and see the fittings photos before you actually come to set, if that's possible, if you have a friendly assistant or a friendly designer who can show you the pictures of the actors, that really helps. We really appreciate it if the sound team come and talk to us, especially if there's a situation where you have a very proper costume which has been made maybe 4 months in advance of a principal actor. It can be very good to interact with the costume and work out where you can place your point that's happy for the actor, that's happy for the costume, and you'll get good sound. I've worked on one particular job, which was a superhero movie, where we had to place the mic in a very particular situation, and that took quite a lot of compromise from the get-go, so it just means that you didn't get it. So, okay, so let's have a look at where we would do this for you. So actually, shall we start with the tie off? Because we can just try to do a tie ring and a mic ring somewhere here, and then we can put the tie on after. I think we'll just start with the shirt. So we've got some headphones on this table here. We've only got about 17 or so. So if you'd like to listen to this mic, I think this should be coming through on those headphones. This is more, if we put this through the speaker in the feedback, so we have as many headphones as we can get hold of to do this little test. So, okay. Right. What we developed for microphones are a variety of different mounts and solutions. So, I can show you some of these here that
we started work, or we began, we were using things like the RO11, probably know this from COD11, these sort of large amounts. And I found that it's easier to work with a smaller, slimmer mount when hiding microphones. So we developed these little thin, we call them mini mounts. They just come in a little pack like this. And this mini mount is designed specifically for a DPA. And this one here, which we'll be testing with. Can you, is this one coming through on the headphones? So we've developed these little mini mounts specifically for DPAs, different size of DPAs, COS11s, Sennheiser microphones. So I'm just going to slip it in here. And it just kind of gives a nice, slim, low profile kind of cushion of a very, very kind of glossy material, like plastic, which will help any kind of fabric noise rubbed against that. Will glide against it rather than create friction. It will just glide against it, so that helps a little bit to reduce the noise. And then, from here, we would just take a little bit of sticky tape to apply that to the costume. So, what we'll do is get one of these stickies. So the mini masks come with these little stickies. I don't guarantee this is going to work very well first time, so we're just sort of getting it, listening and improving. So, I'll just start off with a basic rig that we might do. So, we'll put a little bit of sticky tape to the back of the mini mask. I already feel that this is quite a noisy shirt. So generally, what I would look at doing as a starting point is to put the microphone somewhere in this center of the chest area. It's usually a good starting point. And then the sticky would sort of apply kind of like that. That would be my go-to to get it quite close to the button itself. And then take the cable, try to stick the cable down in a way that it doesn't make a lot of noise. So I do a little loop in the cable like that, which is quite important to secure the cable. Just a tiny loop. Stick it like that. So if anything pulls on this cable, it's quite important. It doesn't tap on the microphone itself. The idea with these little mounts is that with the camera that might be looking like this, it's quite helpful it being a slim white mount that it kind of blends if you just turn to the side slightly. Yeah. So it just kind of helps it being a white mount on a white shirt that you don't see it directly. It would help, I think, also if we had a white tip to the microphone. And that's if you don't mind just sort of walking around a little bit. Can I also hear this? How's it sounding? Oh yeah. So that's basically the sound, a little bit of hair on the chest rubbing against the fabric. So we've got, that's whilst with the fabric on the mount making a bit of noise, but actually most of that noise is coming from the chest hair rubbing against. So if I get rid of this layer, just have this on its own. That's just chest hair versus fabric. So what I'd like to show is just like a little way that you can improve that particular problem with sound. And what we've got for that. What I should say about the shirt quickly is it's a brand new shirt that's completely unwashed. Yeah. So sometimes as well it can be worth checking if your costume team has sort of washed everything. Most of the time
they would have gone through the stressing process of anything that they put onto an actor. So they will wash it, and it will be will look like it's been worn a little bit. So this is a very new one to kind of show that this can also be part of a problem that you might experience, that it is a box fresh shirt. So. Yeah, definitely. It's, we always try to ask customers if they can wash in a high condition and wash a new shirt just a few times before we get into a shoot. That way it does help reduce some of the stiffness of the fabric and helps reduce the scratchiness. But what we've got is, you guys may have sort of seen this kind of a solution. It's just a very soft piece of fur. You see it's quite making quite a lot of fluff fly in the air. So basically, we cut it down into these little slits like this. So you just cut it with a pair of scissors. We sanded it, we call them fur tangles. And it's made from the same fur as we make our circles of fur, similar to micro overcoats. They kind of have a collection of different circles, which are fur circles, cloth circles, soft circles, different shapes of fur, different kinds of fabric. And so this fur is actually really helpful for to be placed against in this layer here, to be stuck here, to help reduce the noise of the actual hair, chest hair, making noise on that shirt there. So we're just going to find that seal that helps at all. Stick some of this tape back here. One thing that is quite good to do with fur as well is to cut it. It's a very simple thing, but to cut it facing down, because that way you can try and avoid some of the pile. So when you cut it from the reverse, you don't actually cut into the fur as much, you're just cutting into the jersey backing. We try to hide as much of the cable as possible and just keep it loose as much as you can. I always try to make sure the cable is not too tight. If an actor moves like this, they won't stop this cable or me. I've stuck my mic here, but I've got a loop that sticks the cable down onto my t-shirt here. So that if I tug this cable, it's tugging on my t-shirt rather than tugging on my mic. That really helps. And that's also stuck to my shirt rather than my skin. And that I think feels more comfortable to stick things to the fabric rather than directly to skin. And you can always stick things to skin. And that's what we're trying to do. So we've stuck this lovely bit of white fur here. And it's quite nice because it's not very big. So, you know, that I don't think is going to make a big impression on the overall size of the lump. So I'm just going to pin this up again. Yeah, by all means, if you want to pass that around, get a feel for how like a little bit of soft fur can be can help with reducing the noise. It's just very, very light and okay, so any way improve things. I think it takes a little bit of the high-end nasty scratch from, yeah, it's still there, but it's taken a little bit of it off, so that's definitely helps. So I think from there you can further reduce that with isotype and filters. Do you just get a little bit more for water say some words as well? Yeah, you know, let's just take it off. And then we can just directly compare now we've got it ready to just apply. Let's take it off and then we can see the difference straight away. So I think these little bits of fur can really help, especially with hairy chests.
I suppose the other little thing, really, that the best results that we have had with microphones is when you can get the microphone itself in free air, you know, to expose it as much as possible. And that can often be the case if you're able to put the microphone under a button or just expose it just a little bit. If you could just manage to get the microphone itself to be more in free air rather than hidden under too many layers. So what I might try and do, if I have the opportunity, I might maybe push the microphone out a tiny bit or bring it out just a little bit more than that. See if that helps at all. Should we try a tie? Maybe, yeah. Is there any other things that people would like to say while we're still looking at this based on positions and things that you might do? Would anyone like to come up and have a look at this and see maybe an improvement? Ira. Okay, what's that? They're facing this way, right there, sideways. So it's a little bit closer to the source, basically. So let's turn this over. It's more like sort of that angle. So move it right here. Just the mount itself, you can hear quite a lot of. Yeah. I might put a bit of fluff on it. So I'll just restick that to the cable so it's moved in slightly forward. It's a little bit higher up. So if you question. Yeah, so but it is better. It is better than that. So I suppose right there it's a little bit nicer because it's slightly the fabric itself. So I suppose maybe let's try it with this button undone though, because normally you wouldn't have that. I think is sometimes the key. You wouldn't know what you would, unless you were wearing a tie. So let's keep that open. So this is the usual situation, isn't it? You have the top button undone, and then you work from that. So that, I think, is slightly dangerous now. So shall I push it in just slightly? But yeah, you could go there. That would be your go-to position. Yeah. So a little bit lower, maybe. This is probably, you guys have been doing this a long time, so we've all been in these situations. We just like to sort of show some of the things that we've developed to help. And then maybe if I could reintroduce the fur, see if that's going to help in this situation as well. If I put that back, in this case, maybe put the fur right here behind the button. So beyond this, I suppose we'd be looking at maybe alternative positions up here. One of the things that we've got, which we found quite useful, if you were really, really struggling with anything here, maybe you'd look at hiding it more on the side here. But you would need a very low profile sort of way of hiding a microphone just here. Just one of the things that we do is this tape. It's just simple kind of soft tape. To pass around, just a little skin thing. And you can cut it up
and using surround microphones with, and it can be quite helpful. Sometimes with the tiny microphones. So I'll just demonstrate this really quickly. It's meant to be a great solution in this case for the show, but it's just an easy way of showing this particular idea. So if I take it out of the mini now, probably do is just kind of take the mic and just stick it literally like this on the microphone. And then that would then be stuck into an area which might just be caught on camera, but it's being sort of hidden. So now that's it's kind of this, yeah. So now it's just got a little bit of white tape on it, and that's quite good for hiding in shadows. Maybe on white and white, it's not so great, but have a bit of black tape hiding a microphone in the shadow could really help kind of hide a mic almost in shots. So if you do a little bit of walking around from here. Okay, so it's basically. I guess the example here is that it's just cleared the mic from the fur, from the hairy chest. It's obviously quite dangerous, but it's hard to stick a mic on fabric and hide it, but we think maybe having the tape with the different colours can help disguise the microphone, and maybe if it was a smaller mic like a COS 11, or even maybe the new 6060 mic has an even smaller profile for the DPS-60. So that little thing could hide even better, and you can just stick it down with a bit of tape, hide it almost in plain shot, and you get away from all of that scratch. So that can really help. So we generally look at, if you've got real problems, we look at putting a mic in the hair, putting a mic behind a button, hiding it like that, or just keeping it away from all the things that make all the noise. I don't think we have, how much time do we have left? 5 minutes. Does anyone have any questions? Or how about we really quickly do a tie? Would anyone like to see that as an example? That'd be useful. Okay. 2 minutes. Oh, okay. Shall we just... Is there any questions while we change over into a tie? And anything that'd be useful to discuss? We'll just whack a mic in a tie. Be free to, once we finish, we're going to be around the day at the BDB stand. So if anyone wants to come and have a chat and look at some of the other products we do, we make all sorts of applications for microphones, phones that you can put on the end of microphones. These are little mini phonies, pass those around for the DVD. And you can stick those on COS 11s and put those on microphones. Very little bit of space for a microphone, these have been quite popular. But with these, you stick these onto COS 11s, you put that in the tie, so it creates a little bit of space around the microphone. So those can be quite useful. These here are the mini mats here, these little plastic mats that we were using just now. Yeah, that's right, you put one of these little foam mats. So I think if I got one of these foam things now. Okay. So we'll just take maybe one of these little phones. And the phone is quite a handy thing to stick in a tie. So what you do is you kind of create a little bit of space in the tie itself and separate it from the noise and fabric. The phone's like this can be quite useful. But what we might do is we might just sort of cast it down a little bit. Shall we go now?
We'll be at the meeting booth if anyone would like to have a chat and have a look at some of the products and more questions as well. Eh bien, merci. Nous allons donc enchaîner la présentation sur la chef sur la liaison numérique et chef. Oui, n'oubliez pas de rendre vos casques. Alors, donc l'atelier suivant va être présenté par Xavier Dreyfus, ici présent, chef opérateur du son et membre de l'AFSI, et moi-même, Pierre-Antoine Coutan, chef opérateur du son et membre de l'AFSI. On va essayer de faire un petit tour d'horizon rapide et plus précis sur deux liaisons en particulier que nous utilisons tous les deux. Peut-être qu'on va zapper le super slot parce qu'il va falloir courir pour vous présenter cet atelier. Donc, dans la partie avantages des liaisons HF numérique, ça a été dit hier, on va le redire aujourd'hui, c'est évidemment la qualité audio qui est bien supérieure, aussi bien en termes de bande passante que de bruit de fond, mais aussi on a une dynamique qui est bien plus étendue, aussi bien sur des micro-cravates que sur une utilisation en perche ou en appoint. On a des récepteurs et des émetteurs large bande, donc avec une possibilité bien plus importante pour une utilisation, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez. Il n'y a pas de problème d'intermodulation, c'est qu'on n'est pas obligé de faire un plan de fréquence, enfin, on n'est pas obligé, on doit faire un plan de fréquence par rapport à la TNT, mais on n'est pas obligé de calculer les intermodulations entre les fréquences. Les émetteurs peuvent être très très proches en émission. Pourquoi ? Ben, parce qu'ils ont une largeur de bande qui est beaucoup plus étroite. Ça dépend des marques et des modèles, mais on peut aussi régler les émetteurs via des applications sur téléphone mobile. Il y a un cryptage possible entre l'émetteur et le récepteur, et auquel cas personne ne peut recevoir vos émissions, en tout cas ne peut pas les décoder, et une maintenance simplifiée. Dans les désavantages, ça reste de la HF, donc on a toujours des problèmes de portée et d'obstacles. Ce n'est pas le Nirvana HF encore, voilà. Ça résout des problèmes, ça en pose d'autres, mais bon, ça reste de la HF. On a un signal tout ou rien, ça veut dire soit on reçoit, soit on ne reçoit pas. Il n'y a pas, comme en analogie, qu'il ne peut pas y avoir d'inception dégradée, c'est tout ou rien. Problème possible de saturation HF, ça c'est quelque chose qu'on ne connaissait pas en analogique. Si le récepteur reçoit un émetteur. Si le signal qu'il reçoit de son émetteur est trop fort, il ne va pas réussir à le décoder. Et donc, vous ne recevez pas votre émetteur. Alors, c'est un cas de figure un peu particulier. Donc, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas du tout en analogique. Ça, c'est un des désavantages et une nouveauté des HF numériques. Typiquement, si votre émetteur est très proche de votre récepteur, ça va saturer. Si votre émetteur est trop fort, ça peut saturer. Si vous avez un émetteur, par exemple, ça m'est arrivé d'avoir deux perches en liaison HF. Si pour X raison, une des deux n'est pas utilisée, mais que l'émetteur reste allumé près de ou sur votre roulante, à ce moment-là, ça va perturber la réception de l'autre perche. L'émetteur peut perturber des micros mal blindés, effectivement, et on a à ce moment-là l'apparition d'une espèce de bruit blanc, comme un bruit de fond qui apparaîtrait,
qui va perturber votre micro, donc il faut faire attention au choix des micros. Je vous rassure, maintenant ils fonctionnent quasiment tous. Les Shops, Sennheiser, Zorkel, le CS1 marche très bien, le vieux FH416 marche très bien. Voilà. Mais il faut faire des essais. Cinella a modifié quelques suspensions qui sont maintenant en RF. Elles sont intitulées RF, elles sont le petit câble est mieux blindé. L'émetteur peut perturber un récepteur analogique trop proche. Oui, moi j'ai eu des soucis plus sur des ear monitors, des choses comme ça qui sont sur sur vos assistants. C'est un récepteur aussi. Chez Satscom, on a aussi des petits problèmes de brouillage possible d'autres marques de récepteurs parce qu'ils ont une émission Wi-Fi en plus, dont on parlera tout à l'heure, qui est assez puissante et qui peut générer parfois des problèmes, en particulier avec l'électrosonique. Et enfin, dernier désavantage, une consommation d'énergie en hausse et du coup des émetteurs aussi qui chauffent plus. Alors, on ne va pas tout lire, je vous rassure. Donc, en gros, en analogique, le signal audio module une porte haute fréquence. On a de la largeur de bande HF est liée à la dynamique et on a un compandeur qui peut avoir des artefacts généraux. Et on observe donc des phénomènes d'intermodulation. En numérique, le signal est converti puis codé en amplitude et en phase. Je lis que les textes que vous avez remarqué. L'information binaire est compressée, encodée et mise en forme. Ça, hier, on a vu ça. Effectivement, donc on passe en numérique. Ensuite, on a un codec pour réduire le flux d'information. C'est encodé, évidemment, après on rajoute des codes de correction d'erreur. Et avec tout ça, en fait, on arrive à une bande passante sur l'émission qui est extrêmement réduite et qui ne bouge pas. Et on n'a pas de compandeur. Et avec tout ça, on n'a pas non plus d'intermodulation. Donc, votre émetteur émet sur une largeur de bande très étroite, très propre, et ne déborde pas du tout avant et après sa fréquence d'émission. Cependant, lorsque le signal subit une distorsion, l'information est endommagée, voire perdue. C'est un petit peu ce que je vous expliquais. Si le signal émis est trop fort pour le récepteur, à ce moment-là, il ne retrouve pas ses petits. Il est incapable de décoder le signal numérique. Donc, il convient d'ajuster la puissance des émetteurs et de respecter une distance raisonnable. Effectivement, du coup, c'est un truc nouveau. On adapte la puissance, on peut adapter la puissance de son émetteur en fonction de la situation. Alors ça, c'est un petit tour d'horizon très rapide des matériels. Donc, les HF numériques, il y en a déjà pas mal. Vous avez des séries chez AKG, chez Sennheiser, avec les Digital 9000 et 6000. Il y a une version un peu low cost comme les G3, G4. WD1. En 6000 et en 9000, vous êtes en réception rack, mais il y a maintenant un récepteur portable qui s'appelle OK6042, qui est un récepteur double. Et le deuxième en partant de la gauche, le nouvel émetteur SK6212. Chez Shure, il y a une gamme très complète, ils sont en fait assez en avance. Ils ne sont pas tellement sur la prise de son, c'est plutôt sur les spectacles et l'événementiel. Vous avez Sony aussi qui fait un récepteur double, Audio Limited avec son récepteur portable A10 et Saxcom avec ses récepteurs portables. Vous avez une gamme low cost aussi qui n'émet pas sur la bande des 600-700 mais qui émet sur les bandes Wi-Fi. Donc là, vous avez pareil, 4 modèles possibles, AKG, Daiti, Nutric et Shure. Alors, bien évidemment, tout ce qui est sur la bande Wi-Fi, pour nous, on va oublier, parce qu'il y a déjà beaucoup de monde, il y a beaucoup de pollution, et évidemment, comme les fréquences d'émission
Voilà. Les longueurs d'onde sont très courtes, les obstacles sont encore plus gênants. Nous, on va plutôt utiliser ce qui est sur la bande UHF. Donc, en moyenne, on va voir, après, il y a un petit tableau. En moyenne, on peut, dans un canal TNT de 8 MHz, on peut mettre 20 émetteurs. Ce qui est déjà énorme. La tendance était d'essayer d'en mettre un petit peu plus chez Nexcom. Donc, Xavier, il a la possibilité, je crois, de réduire encore le... Alors, suivant les modèles de récepteurs qui sont QRX100, QRX200 et prochainement QRX300, je parle sur le contrôle et le shaker, on peut mettre entre 20, 40 et bientôt 80, puisque la bande passante sera de 8 mégas. 100 kilos, pardon. Ce qui permet de mettre 80 émetteurs dans une bande de 8 mégas, ce qui est quand même assez redoutable. Alors, plus on peut mettre d'émetteurs dans un canal TNT, ça c'est possible grâce à la compression numérique. Donc, évidemment, plus on en met, plus la compression est importante. Alors, c'est intéressant de pouvoir mettre 40 émetteurs dans un canal TNT éventuellement, mais évidemment, la contrepartie c'est que le signal devient plus fragile en cas de perturbation, parce qu'au moins vous avez d'informations, quand vous les perdez, à un moment donné, les codes de correction d'erreur ne peuvent plus rien faire. Qui dit numérique dit temps de traitement, donc tous ces émetteurs ont un temps de, une latence qui est variable, on va voir un peu plus loin, mais cette latence, en fait, autant en live, ça peut peut-être être gênant pour nous maintenant, tous les enregistreurs intègrent des délais, donc on peut régler les délais pour chaque entrée. Voilà. Après, il y a aussi certains modèles. Regardez, voilà. Là, je vous ai fait un petit tableau. Donc, les trois à gauche sont les modèles portables qui nous intéressent le plus en tournage. Et j'ai laissé deux autres qui sont Spiegel Receptor Rack. Donc, le A10 de chez Audio Limited. Utilise un codec propriétaire. Son récepteur est un récepteur double. Pour le moment, il n'y a qu'un émetteur, il y en a un petit en préparation. C'est un vrai diversity. Il est compatible super slot. Le récepteur a une bande de 470 à 694, donc je crois que ça fait 200 MHz à peu près. Donc c'est quand même, on balaye quand même presque tout ce qui nous intéresse. Avec un temps de latence de 2 millisecondes, on peut mettre 20 émetteurs dans un canal, ce qui nous donne un espacement de 400 kg entre deux émetteurs. L'émetteur peut enregistrer, sauf aux États-Unis pour des questions juridiques, avec une dynamique supérieure à 100 dB, et on peut crypter. Voilà. Chez Sennheiser, le K6042, c'est pareil, vous avez un codec. C'est aussi un récepteur double. De même que chez Axcom, vous avez aussi un codec récepteur double. Chez Sennheiser, vous avez deux émetteurs, un gros, un petit. Chez Axcom, c'est la même chose, mais il y a beaucoup plus de matériel. C'est des vraies diversités. Le Axcom n'est pas compatible Super Slot, mais il y travaille. Voilà, vous avez les temps de latence qui varient, 2 millisecondes donc pour audio, 3 pour Sennheiser, 8 pour Axcom. Xavier va nous expliquer pourquoi. Alors, en fait, chez Zadcom, comme ils ont une gamme assez complète et assez touffue, on va dire, il y avait, en fait, au départ, sans rentrer trop dans le détail, mais au départ, quand vous passiez d'un émetteur mono ou stéréo, puisqu'ils ont la possibilité d'émettre en stéréo les émetteurs, vous aviez une différence, en fait, assez conséquente sur les temps de latence. Et du coup, ils ont décidé, dans les dernières versions, de aligner tout le monde, donc ils ont mis tout le monde à 8 millisecondes, ce qui peut paraître long, mais comme on disait tout à l'heure, maintenant on met des délais sur nos machines d'enregistrement, donc c'est plus vraiment un problème. Et du coup, tous les émetteurs, quelle que soit la gamme, qui sont à jour, sont tous à 8 millisecondes, ce qui permet, dans un parc avec des émetteurs un peu différents, de s'y retrouver plus facilement. À noter que sur les prochaines. Enfin, il y a une. Quand on a parlé tout à l'heure de la possibilité de mettre 80 émetteurs à 80 fréquences dans 8 MHz, à 80
les 80 émetteurs différents. Là, on passe sur un temps qui se fait de 18 millisecondes. Voilà, mais bon, c'est un cas particulier, dans des conditions particulières. Mais sinon, sur toutes les autres modes de différents modes d'émission, ils sont tous à une globalement, à part Zexcom, donc, on tourne autour de 3 millisecondes. Donc, vous voyez, par exemple, sur le D9000, qui est le seul système de liaison numérique sans compression, vous voyez que on peut, du coup, ça prend plus de place, donc on ne peut mettre que 13 émetteurs dans un canal TNT. Voici un exemple où la HF numérique l'emporte largement sur l'analogique. Voilà, ça c'est une ville, un petit village en Alsace. Bon, vous avez un canal TNT qui est vraiment propre. Après, on pourrait aller sur le 47, le 32 par exemple. Mais bon, là, avec même juste un canal, on peut quand même mettre 20 émetteurs. Donc, en tournage fiction, documentaire ou autre, je pense que c'est déjà suffisant. Si vous avez 8 émetteurs, si vous avez 2 liaisons de monitoring, vous êtes déjà à 10. Même si vous mettez 2 appoints en plus, voilà, on a quand même un petit peu de marge et surtout, on peut très rapidement, d'un décor à l'autre, changer ses fréquences. Alors, en haut, je vous ai mis une petite bande bleue, verte et rouge, par exemple, c'est le plan de chaque émetteur chez Audio Limited. Alors là, on avait fait une petite photo de famille pour que vous voyiez à petit peu près la taille des émetteurs. Donc, en partant de la gauche, un SK5212 que tout le monde connaît, je pense, un ZMT de chez Zexcom et un TRX à côté. En noir, le A10 Audio Limited. Ensuite, sur la droite, vous avez 2 électrosoniques qui ne sont pas numériques, mais qui sont hybrides, donc le SMWB et le petit SSM. À peu près les LMT et les SSM ont à peu près la même taille. Et un SK9000 de chez Sennheiser, qui est la version, le gros modèle. Et celui que tout le monde connaît, le TX-2040. Utilisé. Il y a des nouveautés chez Zexcom, que Michel nous présentera peut-être tout à l'heure, ou maintenant. Comment il s'appelle, le ZLT Voilà, donc le dernier né de Zexcom, c'est la série ZMT. C'est un tout petit émetteur numérique de poche qui pèse 62 grammes, avec un très faible volume également, ça fait à peu près 3 centilitres. Avec sa petite batterie, il a 5 heures d'autonomie. 5 heures d'autonomie, il faut préciser dans quelles conditions, c'est-à-dire c'est lorsqu'il émet à sa puissance maximum de 50 mW que l'enregistrement fonctionne, puisqu'il est équipé d'une carte micro SD qui permet de sécuriser la liaison, et lorsque le récepteur à 2,4 Go est également activé à l'intérieur, puisque ce petit émetteur peut être piloté depuis l'extérieur, on peut notamment régler le gain, la fréquence, la mise en veille, le démarrage ou l'arrêt de l'enregistrement. Il se décline en 3 variétés. Celui-ci, c'est la version pour micro-cravate, avec un connecteur LEMO 3 tout à fait standard. Sous le même encombrement, on a la version fantôme, avec une entrée fantôme capable de générer du 12, du 24 et du 48 volts, pour s'adapter au mieux au mode de consommation des différents micros. Lorsqu'on est en fantôme, on a, nous, mesuré une autonomie de 4h20 avec un mini-quit, c'est par exemple toujours à 50 mW de puissance. Il existe une autre déclinaison qui est faite plutôt pour les applications sportives. C'est un émetteur qui est beaucoup plus mince, plus long évidemment, puisque la batterie ne se trouve plus derrière l'électronique mais dans le prolongement, et il est flexible pour pouvoir s'adapter aux contorsions de sportifs ou éventuellement
de comédiens sur scène. L'autre particularité de ce ZMT qui s'appelle Flex, c'est qu'il a non pas une, mais deux entrées micro. Donc il peut fonctionner en stéréo ou alors faire du bicanal de façon à se faire un audio propre avec deux micro-cravates situés à des endroits différents. Donc on peut se dire que s'il y en a un qui est bruité pour une raison ou pour une autre, on peut toujours passer sur l'autre canal. Alors, on va continuer. Donc ça, je vous ai montré, parce que nous sommes, vous avez compris, les utilisateurs de Zexcom et moi d'Audio Limited, il y a déjà des usages avec les Sennheiser. Donc là, c'était à l'automne dernier sur Rock en scène, donc une configuration avec des micro-mains et des émetteurs numériques Sennheiser avec les récepteurs en rack, voilà, avec un compteur. Ça, c'est ma roulante, ma config. Vous connaissez une Kantar M. Mes récepteurs HF sont dans un octopack de chez Electrosonic. Je mélange du numérique et de l'analogique et mes audio limited sont surtout utilisés pour la perche. En gros, ma configuration, c'est celle-ci. Donc un mélange, en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir que le mélange numérique, analogique fonctionne très bien. Peut panacher son matériel avec des petits émetteurs IFB. Bon, depuis ma configuration évoluée, c'est en gros c'est celle-ci. La famille A10, donc c'est un émetteur polyvalent. Vous pouvez entrer dessus ce que vous voulez, un micro, une ligne. Maintenant l'alimentation est intégrée, donc vous n'avez pas d'accessoires à ajouter. Vous pouvez le mettre directement sur la perche. Il y a des petits accessoires qui sont pris par nos collègues. On peut plugger l'émetteur sur une perche VDB ou ambiante et le positionner, l'antenne à l'opposé du micro, ce qui aide à ne plus avoir les problèmes de perturbation et de bruit de fond sur les micros. Il y a un enregistreur intégré sur une carte micro SD. On peut mettre l'émetteur à l'heure de son enregistreur et voilà, dans certaines configurations, si l'émission commence très loin, vous pouvez le sécuriser l'enregistrement directement dans l'émetteur. Une connexion Bluetooth, donc on peut contrôler avec son iPhone ou son téléphone portable Android. On peut contrôler pas mal de paramètres. La fréquence d'émission, le niveau d'émission, le filtre, le gain, le record, et vous avez l'information sur votre téléphone du TC et vous pouvez le mettre en règle. Voilà, c'est quand même déjà très complet. Alors ça ne porte pas au-delà de, on va dire au mieux, un mètre. Voilà, mais c'est déjà bien, vous pouvez vous approcher du comédien, faire tous les réglages que vous voulez, sans devoir intervenir directement sur l'émetteur. Le récepteur est donc double canal large bande, il y a un scanner intégré, il est compatible Super Slot, donc vous pouvez le mettre dans un autopack ou autre. Il y a un rack possible, vous pouvez mettre 4 récepteurs double Super Slot, donc Audio Limited, Electrosonic, Wizicom, Sennheiser. Maintenant, Sennheiser, vous aurez du mal parce que mécaniquement, malheureusement, il ne peut pas rentrer. Mais il serait compatible, peut-être en bidouillant un peu. Et un mini-récepteur est en préparation et je laisse la main à Xavier pour les Zexcom. Alors, on va plutôt passer sur l'autre d'abord, parce que ça, c'est effectivement, c'est des photos de configuration. Des photos de vacances, hein, tout de suite. Alors, dans la famille Zexcom, il y a donc vous avez en haut les émetteurs. Les récepteurs en dessous s'appellent QRX, il y a plusieurs familles, QRX100, QRX200 et bientôt QRX300. Vous avez des récepteurs UFB et tout ça en fait fonctionne ensemble. Alors, je vous ai fait un petit... Voilà. Donc les émetteurs émettent en UHF classique vers les récepteurs, donc qui sont les QRX. Donc depuis le QRX, ça c'est le dos,
effectivement vous envoyez la modulation vers votre recorder. Mais vous pouvez également, depuis le recorder, donc vous voyez la flèche bleue, c'est un retour audio en fait que vous pouvez renvoyer dans votre récepteur QRX. Et depuis ce récepteur QRX, et vous pouvez, pardon, alors également envoyer du timecode. Et depuis le récepteur QRX, vous voyez sur le côté, il y a une antenne Wi-Fi. Donc le récepteur communique avec tous les émetteurs en Wi-Fi. Donc d'un côté, il est récepteur UHF et de l'autre côté, dans l'autre sens, il est émetteur Wi-Fi. Donc avec cet émetteur Wi-Fi, vous pouvez renvoyer du timecode vers tous les émetteurs ainsi que vers les récepteurs IFB. Ce qui est très utile parce que quand on utilise ce genre de récepteur IFB, on peut soit les commuter en audio, soit les commuter en timecode, soit les deux, sur les canaux droite et gauche. Donc pour alimenter des appareils photo, des choses comme ça, ce qui est quand même une nouvelle norme aujourd'hui, c'est extrêmement pratique. D'avoir sur une piste l'audio et sur l'autre piste le timecode. Vous pouvez également, donc ça c'est un récepteur IFB directement dédié pour caméra. Et vous pouvez également, en bleu clair, envoyer vers les IFB de l'audio, donc l'audio qui vient de votre recorder, votre mélange, également vers le récepteur IFB pour les caméras. Et le petit plus, vous pouvez également, depuis chaque récepteur, envoyer une modulation audio, depuis chaque émetteur, envoyer une modulation audio vers un récepteur IFB. Ce qui veut dire que votre perchman, quand il va équiper, il va installer le micro sur le comédien, s'il a un récepteur sur lui, il peut entendre directement le récepteur, l'émetteur, pardon, sans passer par la console. Ce qui est quand même assez redoutable. Donc en gros, voilà le principe des ASCOM qui est très complexe, enfin très complet, pardon, et qui explique aussi ce fameux délai de 8 millisecondes, parce que pour avoir le temps de gérer un petit peu tout ça, il y a besoin de calcul. Donc chez ASCOM, donc vous pouvez, comme je l'ai dit, transmettre des données annexes, donc ce que disait Michel tout à l'heure, c'est qu'on peut travailler à distance en Wi-Fi sur le niveau d'entrée de l'émetteur, donc le gain d'entrée. On peut changer à distance la fréquence. On peut également envoyer des informations d'enregistrement ou de non-enregistrement à la carte micro SD qui est intégrée dans l'émetteur et qui enregistre tout ce qui se passe. On peut également, je crois que j'ai tout dit, et on peut le mettre en veille à distance. Donc ce qui est par rapport à la série A10, qui est quand même très, très puissant, je dirais, c'est que comme on est en Wi-Fi, on a quand même une portée qui est plus intéressante. Et depuis sa console, on peut assez facilement, quand on n'est pas trop perturbé par ce qu'il y a sur le plateau et les autres émissions Wi-Fi du plateau, mais en général, on arrive quand même bien à moduler le gain d'entrée en particulier, ce qui est très utile, et le changement de fréquence si on est perturbé. En dessous, on a la possibilité d'enregistrer sur des micro SD sur tous les émetteurs. Donc, ça, c'est très pratique en cas de perte de liaison. On peut émettre en mono ou en stéréo depuis l'émetteur, ce qui veut dire que si vous avez une perche stéréo, faut qu'on finisse ça. Si vous avez un couple stéréo que vous souhaitez mettre en HF, c'est tout à fait possible. On a la fonction Neverclip sur laquelle septembre, mais qui vous permet ce que vous aviez vu tout à l'heure, les 125 dB d'entrée sont là, en particulier grâce au Neverclip, qui permet de gérer les fortes impulsions, enfin les forts niveaux d'entrée. Vous avez du timecode sur tous les émetteurs et tous les récepteurs synchrone à votre recorder. Le ZaxNet, c'est donc le mode d'émission de toutes ces informations en fait, qui est propre à ZCOM. Et puis, comme je vous disais tout à l'heure, les ZCOM IFB, ce sont les IFB propres au système. En fait. Voilà. On va être obligé de s'arrêter là. Il est midi 1. On est là encore si vous voulez discuter avec nous.
retour d'expérience avec les HF numériques, VDB, Aretech, les Sennheiser sont là aussi, donc n'hésitez pas à aller vers eux. Et ben, en vous remerciant, et merci. Bonne fin de samedi. Merci à vous.